Combien de langues parlez-vous ? En général, la réponse à cette question, c'est pas beaucoup. En France, à part notre langue natale, beaucoup de gens parlent rien d'autre. Bon, je dirais quand même qu'une majorité baragouine un peu d'anglais, à un niveau plus ou moins acceptable. Mais combien d'entre vous parlent couramment deux langues ? Trois langues ou plus ? Pourquoi on parle pas beaucoup de langues ? Parce que les langues, c'est dur. Dur. Apprendre une langue requiert des années d'apprentissage continu, plusieurs heures par semaine d'exercice et de pratique. Par exemple, dans la langue française, le pire à apprendre, je pense, ce sont les conjugaisons. Quelle horreur les conjugaisons ! Déjà, on a les verbes du premier groupe, les verbes en ER, les verbes du deuxième groupe, les verbes en IR, et du troisième groupe, tous les autres. Exception, le verbe aller, qui finit en ER, mais n'appartient pas au premier groupe, mais au troisième. Bon, déjà là, ok. Pourquoi ? Bref, c'est pas grave. Alors après, juste pour conjuguer les verbes du premier groupe au présent. Juste ça. Regardez le bordel que c'est. Parmi les verbes en ER, faut distinguer les verbes en GUER qui gardent le U partout alors que les autres non, les verbes en GER dans lesquels un E apparaît pour former le son J avec le G, les verbes en CER dans lesquels une cédille apparaît pour former le son S avec un C, les verbes en YER qui peuvent changer leur Y en un I, mais pas toujours, exception faite de nous et vous, parce qu'il y a des exceptions aux exceptions, sinon ça serait trop facile. Les verbes en ELER et ETER qui doublent leur L et leur T pour garder le son E, exception faite de nous et vous. Les verbes qui ont un E à l'avant-dernière syllabe de l'infinitif. Si, je vous jure, c'est une vraie catégorie d'exception de la grammaire française. Ces verbes changent leur E en un E, sauf, exception aux exceptions, avec nous et vous. Les verbes avec un E qui changent leur E en E, sauf, encore une fois, avec nous et vous. Et tout ça, c'est uniquement pour conjuguer les verbes qui se finissent en ER au présent. C'est tout. Après, il y a les verbes du deuxième groupe, et puis les verbes du troisième groupe. Et les verbes du troisième groupe, c'est une espèce de sac poubelle, on a foutu tout le reste en vrac, et qui sont en général irréguliers et très fréquents. Alors là-dedans, on a mis tous les verbes en IR qui n'ont pas de base longue en deux S, les verbes en WAR comme vouloir et pouvoir, les verbes en RE comme faire et dire, le verbe aller, qui fonctionne avec quatre radicaux différents. Et puis, une fois que tout ça s'est fait au présent, eh ben faut tout recommencer pour le passé et le futur. Parce que tout change au passé et au futur avec de nouvelles règles et de nouvelles exceptions à ces règles. Ah, je dis toujours que je suis très content de parler le français nativement, parce que au moins, j'ai pas besoin d'apprendre cette horreur qu'est la langue française. J'admire les étrangers qui arrivent à maîtriser le français. Mais bon, les autres langues, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a des langues un peu plus simples comme l'espagnol, mais bon, il y a quand même des conjugaisons avec des exceptions, ou des genres, ou d'autres difficultés. Il y a aussi des langues réputées très difficiles à apprendre, comme par exemple l'islandais ou le finnois. Quand on y réfléchit, une langue, c'est une espèce d'amalgame de différents dialectes, de patois, de mots, d'expressions qui se sont mélangés, enrichis au fil des siècles et des migrations des peuples et qui ont évolué organiquement pour former une espèce de soupe plus ou moins consistante avec quelques règles générales, mais surtout avec beaucoup d'exceptions. Et quand quelque chose grossit comme ça de manière organique, anarchique, au fil des siècles, eh ben c'est le foutoir. Il n'y a qu'à voir le centre des vieilles villes européennes qui ont grossi à la va comme je te pousse autour des voies d'eau, souvent sans permis de construire, avec des ruelles faites pour les piétons, ou à la limite pour des chevaux, mais certainement pas pour la vie moderne et ses voitures, ses bus et ses camions. De fait, circuler en voiture, ou pire en camion dans une vieille ville, relève souvent du cauchemar. D'un autre côté, quand le plan d'une ville est pensé, planifié, réfléchi, comme par exemple les grandes villes américaines qui sont beaucoup plus récentes, alors tout change et devient beaucoup plus simple et plus clair. En 1930, Le Corbusier avait même imaginé la ville radieuse, une ville planifiée, pensée et optimisée à l'extrême, où la surface bâtie ne serait que de 12% et où tous les bâtiments seraient en plus sur pilotis pour laisser tout l'espace au sol disponible pour les piétons. Dans cette ville idéale, les véhicules et les piétons ne se rencontrent jamais. La ville de Brasilia, la capitale du Brésil, est une ville récente, inaugurée en 1960 et organisée suivant les principes de la ville radieuse. Et si on faisait la même chose avec les langues ? Si, au lieu d'utiliser nos langues naturelles, organiques, compliquées, on imaginait la langue radieuse, simplifiée, optimisée et facile, à quoi elle ressemblerait ? Eh bien, c'est ce qu'a fait en 1887 Louis-Lazare Zamenhof, né en 1859 à Białystok, dans l'actuelle Pologne. Il a conçu,
construit de toutes pièces une langue, de la même manière que Le Corbusier a conçu la ville radieuse, en simplifiant et en optimisant tout. Sa langue, il l'a appelée Esperanto. Alors j'ai basé cette vidéo sur l'application gratuite Curso de Esperanto KP, avec laquelle j'ai appris tout ce qui va suivre en juste une heure ou deux. Alors déjà, pour vous donner un aperçu de la simplicité de l'espéranto, on va reprendre nos verbes français de tout à l'heure, rangés en trois groupes, dont un groupe poubelle qui sert à entasser les exceptions. On a les verbes qui se finissent en ER avec des sous-groupes et des exceptions, des verbes qui se finissent en IR ou en OIR ou en RE, ou des cas particuliers comme AIR. Par contraste, en espéranto, la règle c'est tous les verbes à l'infinitif se terminent en I. C'est tout. Esti, être, avi, avoir, fari, faire, lerni, apprendre, etc. Mais pour vraiment vous convaincre de la brillante simplicité de l'espéranto, je crois que rien ne vaut de reprendre les conjugaisons. Donc en français, c'est le cauchemar, hein, on a vu ça tout à l'heure. Dans les verbes en ER, sauf aller, qui est une exception, il faut différencier les verbes en ELER, les verbes en YER, qui prennent des terminaisons différentes, sauf avec nous et vous, où c'est encore différent suivant les cas. Et après, dans le troisième groupe, le groupe poubelle, il faut tout apprendre par cœur, parce qu'en gros, il n'y a pas de règle et c'est comme ça. En espéranto, c'est passé IS, présent AS, futur OS. Fini. Pour tous les verbes et avec tous les pronoms. Boum. 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 Par exemple, je, ça se dit mi. Donc, je suis, ça se dit mi estas. J'étais, je suis, je serai. Tu, ça se dit vi. Tu étais, vi estis. Tu es, vi estas. Tu seras, vi estos. Et voilà, vous savez conjuguer tous les verbes en espéranto au passé, au présent et au futur. Terminé. Alors, ce système est similaire au chinois. Et pour le coup, en chinois, c'est même encore plus simple. Si, si, c'est possible, parce qu'on ne conjugue même pas les verbes. On dit « je être »,« tu être »,« il être »,« nous être »,« vous être »,« ils être ». Il n'y a même pas de passé, de présent ni de futur. Le temps est donné par le contexte. Par exemple, « hier, je être chez mes parents ». En espéranto, il y a quand même des conjugaisons qui indiquent le temps sans ambiguïté et sans avoir besoin d'un contexte. Bon après, qu'est-ce qu'on a comme simplification ? L'absence de genre, les genres, mais quelle stupidité dans nos langues, mais pourquoi en français on dit une tomate, une voiture, mais un dos ou un vêtement? Pourquoi tout est masculin ou féminin? Pour le coup, il n'y a absolument aucune logique. Un étranger qui doit apprendre le français doit mémoriser par cœur le genre de chaque objet de toute la langue. On retrouve ça en espagnol, tout a un genre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart des gens sont inversés par rapport au français. Ils disent un tomate, un voiture, une d'eau et une vêtement. C'est la preuve que c'est complètement arbitraire et sans aucune logique. Puis en allemand et en russe, c'est encore pire, ils ont trois genres. En espéranto, bon, vous l'aurez deviné, pas de genre. Tout se dit la. C'est l'équivalent du the en anglais qui s'utilise avec tous les noms. De la même manière que tous les verbes se terminent en i, tous les noms se terminent en o. La amico, l'ami, la frato, le frère, la cafo. Le café. Et de la même manière que tous les verbes se terminent en i et que tous les noms se terminent en o, tous les adjectifs se terminent en a. La bella amico, le bel ami, la grande frato, le grand frère, la varma cafo, le café chaud. Alors si on veut le féminin d'un nom, on change sa terminaison o en... Eh ben non, pas en a, pas comme en espagnol. En espagnol, o c'est masculin, a c'est féminin. Par exemple, un muchacho, una muchacha. Un amigo, una amiga. En espéranto, on a dit que la règle, c'est tous les noms se terminent en O. Et mère et fille sont des noms, donc il faut que ça se termine en O, sinon la règle ne tient plus. Un nom, la marque du féminin, c'est ino, patro, père, patrino, mère, frato, frère, fratino, sœur, amico, amichino. Le français est connu pour ses nombreuses lettres muettes, comme par exemple le mot ou, dans lequel on ne prononce ni le H ni le X, ou des E, où on ne prononce ni le O, ni le U, ni le F, ni le S. Mais encore pire, oiseau est un mot dont on ne prononce aucune des lettres qu'il compose. O plus I devient oua, E plus A plus U devient O, le X est muet, et le S entre deux voyelles est une exception qui se prononce Z. En anglais, on a des mots comme Mercedes, où chacun des trois E se prononce différemment, ou Pacific Ocean, où chacun des trois C se prononce différemment. On a aussi Worcester,
Et le fameux through tough and thorough thought though, qui veut dire grâce à une réflexion dure et approfondie toutefois. En espéranto, chaque lettre se prononce toujours exactement de la même manière. On dit que c'est un langage transparent, on parle de l'opacité d'une langue. Plus la langue comporte de lettres muettes, plus elle est dite opaque. Le français et l'anglais sont des langues très opaques, qui ne se prononcent pas comme elles s'écrivent. En ça, l'espéranto est similaire à l'espagnol, qui est également une langue transparente, ça s'écrit comme ça se prononce et ça se prononce comme ça s'écrit. Pluriel. Bon, en français, le pluriel c'est facile, il suffit de rajouter un S à la fin des mots. Une table, des tables, un pain, des pains. Oui, sauf qu'il y a des exceptions, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Les noms en AU, EAU et EU sont des exceptions et prennent un X, et non pas un S. Mais il y a des exceptions aux exceptions. Lando, Saro, Bleu et Pneu prennent quand même un S. Les noms en AL sont aussi des exceptions et ont un pluriel en AUX. Un arsenal, des arsenaux. Un mal, des mots. Mais là aussi, il y a des exceptions aux exceptions. Des bals, des carnavals, des festivals qui prennent quand même un S. Et ainsi de suite avec les exceptions en OU ou encore en AI. En anglais, la règle générale est aussi de mettre un S. Cat done cats, tree done trees. Mais il y a pas mal d'exceptions, comme les mots qui se terminent déjà en S. Par exemple, boss et kiss, qui deviennent buses et kisses. Les noms en O, comme potato et hero, qui deviennent potatoes et heroes. Et il y a aussi plein de mots qui changent complètement de forme au pluriel, comme leaf qui devient leaves, mouse qui devient mice, ou encore foot qui devient feet. L'espéranto règle le pluriel avec évidemment une seule règle simple et sans exception. La marque du pluriel est la lettre J qui se prononce I. Pano, du pain, devient panoi, des pains. Amico, un ami, amicoi, des amis. Frato, un frère, fratoi, des frères, etc. Fini. Alors c'est beaucoup plus simple, et pourtant, là encore, pas aussi simple qu'en chinois, où le pluriel n'existe tout simplement pas. Mon livre se dit 我的书, et mes livres se dit 我的书. Les nombres. Bon, en français, les nombres, c'est complètement niqué. On apprend à compter de 1 à 10, ok? Et ensuite, eh ben, on a un mot spécifique pour dire 11. On a un mot spécial dans la langue pour dire 10 plus 1. Et pourquoi on ne dit pas 10-1 ou 10-1? Ce serait plus logique. On dit bien 21, 31, 41. Pourquoi on ne dit pas 10-1? En chinois, ils le font. Une fois qu'on a appris à compter de 1 à 10, on continue. 10-1, 10-2, 10-3, etc. Puis c'est tout. Nous, on a un mot spécial pour dire 11. Et en anglais aussi, d'ailleurs, 11. On a un mot spécial pour dire 12. Et en anglais aussi, 12. Un mot pour dire 13, un mot pour dire 14, pour dire 15. Et pourquoi on ne dit pas 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7... Ah si, 17, on dit. 17, 18, 19. Alors pourquoi ça bascule entre 16 et 17? Pourquoi on revient à un comptage logique à 17? Et 20, on a un mot spécial pour dire 2 fois 10. Alors ça vient du Moyen-Âge, où à l'époque on comptait en base 20. On comptait par vingtaine. On disait pas 40, on disait 2-20. On disait pas 60, on disait 3-20. On disait pas 80. Ah bah si, on disait 80. Et puis on le dit encore, c'est resté. On comptait par vingtaine, comme ça. À l'intérieur d'une vingtaine, on arrivait à 87, 88, 89. Et puis ça continuait, parce qu'on reste dans la même vingtaine. 90, 91, 92, jusqu'à 99, qui termine la vingtaine. Donc la dernière vingtaine est restée en base 20, mais le reste est passé en base 10. On dit 40 et 60, on dit plus 2,20 ni 3,20. Oui, sauf qu'on dit 70. Donc on a changé 3,20 en 60, mais on n'a pas changé 3,20 en 70. On a changé juste un bout de 3,20, on a changé le 3,20 en 60, mais on a gardé le 10, et à partir d'ici, on se remet à compter en base 20, mais en utilisant un 60, qui est un nombre en base 10. Donc c'est vraiment n'importe quoi. À noter que les francophones de Suisse et de Belgique sont passés aux 70 et aux 90. Pour le 80, c'est pas encore tout à fait ça, ils disent 80 en Suisse, sauf à Genève, où ça dit encore 80. En Belgique, je sais pas trop, il paraît qu'on dit 80, mais qu'en fait non, c'est pas vrai, on dit plutôt 80 ou même 80. À ce stade, j'ai vraiment envie de faire une parenthèse, je pense à tous ces académiciens, ces défenseurs de la langue française, ces gardiens de la pureté de la langue française, comme si la langue française était la perfection écrite par Dieu en personne, tu sais.
En fait, la langue française, c'est comme toutes les langues naturelles, organiques, en fait, hein, c'est un gros bordel, c'est une vieille soupe de dialectes qui mijote depuis des siècles, avec des mots qui viennent de tous les côtés, rajoutés, mélangés par tout le monde au cours du temps, avec plus d'exceptions que de règles. Donc bon, défendre à tout prix la pureté de la langue française, ça fait juste chauvin. Bon, retour au nombre. Évidemment, l'espéranto fait dans la simplicité, comme en chinois, avec tout simplement 10-1, 10-2, 10-3, etc. Quand on arrive à 20, comme en chinois, on dit 2-10, hein, 2-10-1, 2-10-2, 2-10-3, puis à 30, 3-10, 3-10-1, 3-10-2, etc. Donc vous voyez, l'espéranto prend des bonnes idées dans plusieurs langues, et bien que ce soit une langue latine, avec un alphabet et un vocabulaire latin, il emprunte beaucoup d'idées au chinois, comme des conjugaisons identiques partout, ou un comptage simple et logique. L'espéranto a un genre unique, comme en anglais, et une prononciation et une écriture transparente, comme en espagnol. Alors, quelles bonnes idées il emprunte au français ? Rien, je crois. Le français, c'est juste trop compliqué et trop plein d'exceptions, il n'y a rien de facile à garder. Heureusement, beaucoup de mots de vocabulaire sont dérivés du français, ce qui aidera encore plus les francophones. Quand j'ai commencé à apprendre un peu l'espéranto, la simplicité m'a tout de suite ébahi, ça m'a ouvert les yeux, par contraste sur la complexité des langues naturelles, les langues organiques comme je les appelle. Et ça, en vrai, ça m'a dégoûté d'apprendre une langue naturelle. J'étais en train d'apprendre l'espagnol et je butais pas mal sur les conjugaisons, qui pourtant sont beaucoup plus simples qu'en français, quand je me suis intéressé à l'espéranto. Et là, ça a été une révélation. Mais comment une langue peut-elle être aussi simple ? Et pourquoi les langues naturelles sont-elles si inutilement compliquées ? Du coup, vraiment, j'ai plus envie d'apprendre même l'espagnol parce que c'est trop compliqué. Et je pense vraiment que l'espéranto devrait être enseigné partout dans toutes les écoles du monde comme la langue internationale, le but dans lequel elle a été créée. Alors le problème, c'est que vous pensez sûrement « Oui, mais je vais pas apprendre ça, ça sert à rien, personne la parle. » Mais du coup, si personne l'apprend, alors personne va la parler, donc elle restera inutile, donc personne va l'apprendre. D'ailleurs, c'est faux de dire que personne la parle. Le nombre de locuteurs est estimé quelque part entre 100 000 et 3 000. Oui bon, ça fait une grosse fourchette. Mais il y a même un millier de locuteurs natifs. En outre, on trouve un subreddit en espéranto, ainsi qu'un stack exchange sur l'espéranto, avec certaines questions posées et répondues en espéranto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie d'en savoir un peu plus. N'oubliez pas l'appli Curso de Esperanto. Alors c'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est juste moi qui ai trouvé cette application, j'ai trouvé bien faite et très simple. Et en plus, elle est gratuite et sans pub. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de l'essayer. Bon apprentissage !